Eh bien, bonjour. Hein. Depuis le 17 juillet, nous au combat. Nous pas j'ai lagué. À l'initiative des camarades qui a dans la santé, qui a dans le médico-social, qui a dans le social, eh bien, l'ensemble à Guadeloupe, l'ensemble à Pepla, debout pour dire qu'il y a refusé, on pique qu'il y a un vrai jeu de là, qu'il y a des conséquences très graves sur la santé humaine. Nous avons fait un bel chemin. Et on croit que Kobala, ça a démontré nous quelle situation a payé en nous. Démontrer nous quelle capacité à les élus de Guadeloupe, qu'ils peuvent faire, qu'ils ne peuvent pas faire. Et nous, bien vrai, qu'ils n'ont pas en capacité de faire grandes affaires. D'avoir, c'est l'État français qui a décidé. C'est l'État français qui a coupé et haché dans le pays. Là, ça. Et nous avons bien compris que l'État français n'a pas intérêt à ce que le peuple a épanoui. À ce que le peuple a trouvé des solutions et continuer à vivre dans le pays. Là, ça. C'est le contraire. Et là, nous avons vrai jeune là. Que malgré les scientifiques, j'ai dit, que piki là, ça pas bon pour la santé. Qu'il faut trouver une solution. Il faut continuer dans la politique. Il faut continuer dans l'obligation vaccinale. Qui conseille scientifique, qui académie de médecine, il faut tout rester dans même la règle là. Pour qui bitin? Eh bien, parce qu'il faut servir un capital. Il faut servir un grand capital. Et il n'y a pas intérêt à peuple, pas intérêt à ouvrier. C'est pour ça qu'il faut nous bien comprendre que ce système là, ça n'est pas bon pour nous. Il faut continuer à piler nous, marcher sur nous et détruire peuple en nous. Nous voyons que je ne peux pas acheter à rien aujourd'hui là parce que les prix ont grimpé et sans ce qu'a augmenté. Et pourtant, le salaire n'a pas augmenté. Travailler, qu'à prendre gaz, c'est licenciement. Alors, nous, il faut nous arrêter. Donc, ça, nous demandons et nous continuons à demander. Et c'est ça que nous dit le ministre Lévin l'autre jour. Premier bitin, réintégrer l'ensemble des personnels suspendus. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où il y a autant de monde qui sont travail, alors que j'en ai un chômage qui est important. Alors, nous avons dit réintégrer tous les camarades. Bayo salaire à eux. Et après ça, 26 ans pour négocier de tout restant point là qui est aussi important pour payer en nous. D'avoir que nous avons tout fait et nous avons dit que nous n'avons pas d'accord. Alors, je de la peuple attendre. Je de la nous faire une belle mobilisation. Et nous demandons à tous les Guadeloupéens de continuer. Continuer à vivre dans la rue là, continuer à goumer pour nous sauver vie en nous et sauver pays en nous.